Coucou, bienvenue sur Europa Universalis 4, vous ne rêvez pas, Damsou est encore bien parti. Normalement je suis le champion là. Parce que là j'ai pas des alliés, j'ai des vassaux, donc on m'obéit au doigt et à l'œil. Hein. Ouais non, je pense que ça va être Chapoya qui va pouvoir le mieux encaisser le moins 60. Ah. En tout cas, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse ça très très vite. Une chose est sûre, c'est que... Eh, hey, ça y est, en plus, j'ai plus de dettes. J'ai plus de dettes. Les ennuis financiers, ils sont finis. Par contre, ça va coûter tous mes points administratifs, mes dettes. Et sinon, j'attends toujours les events positifs, hein, ne vous gênez pas. Si un jour vous avez envie de me donner quelques petits bons events, je sais pas moi, de la stabilité gratuite, de l'argent... Enfin, faites ce que vous voulez, mais faites-le. Ou construction d'un temple. J'ai de nouveau des dettes. J'ai de nouveau des dettes. Putain les mecs, je voulais un event vraiment positif. Je veux pas un event à moitié positif. Putain, mon inflation. J'étais à 1%. Bon, je suis toujours dans les 1%, mais quand même quoi, vous abusez. Non, encore un event pourri. Non, stabilité, je peux pas. Je peux pas encaisser ça, faut pas abuser. Je suis déjà super faible. Allez, je vais m'en payer un deuxième, quoi. Où j'y suis. De toute façon, ma stabilité au début, enfin, mes points administratifs au début de partie me servent à rien. Je rappelle que mon but, c'est pas de me développer comme une nation occidentale. Hein. Là, le but, c'est de survivre. Il y a peut-être les technologies militaires qui pourront servir. Le reste, ça sert à rien du tout. Faut juste que je stocke des points pour au bout d'un moment faire bim. Clac, j'achète tout ce que j'ai. Enfin, au moment de l'occidentalisation, à voir ce qu'il faut. C'est qui? Oui, j'accepte. En plus, Quito, j'avais un mariage royal avec eux. Putain, les mecs, vous m'avez attaqué alors qu'on avait un mariage royal. Mais vous êtes vraiment des fous. Hein. Maintenant, ça fond. On va aller vous sauver la vie. Alors, Moboya, faut passer par où? Alors, faut pas passer par là-bas, faut pas passer par là. Bon, bah on passe n'importe où en fait. Et dites-moi pas que c'est de la montagne, c'est de la jungle, au moins c'est ça. Merci, vous voyez que j'ai que ça à foutre moi à chaque fois de perdre des hommes là-dessus. Et j'ai une quête à faire les mecs. T'as l'inflation, elle est en train de remonter. Normalement, j'ai calculé que j'ai ma quête qui se finit avant que je lance les annexions. J'annexe ça et après je tente l'annexion de Cusco. Putain, ils deviennent gros pacares là-haut, les mecs. Cola. Charka. En fait, maintenant, je m'attendais à ce que ce soit Cusco l'ennemi, mais Cusco en fait sera pas l'ennemi. Pacares, les relations. Charka. Charka, ils sont alliés à Cusco. Non, j'ai pas déclenché un truc. Ça veut dire qu'il va falloir que je me tape Charka. Ouais, non. Ça va finir en conflit, nous, contre Pacares. Quoique, eux, ils pourraient peut-être se rapprocher un peu. Scandale, non, mais. T'as vu. Est-ce que tu peux gérer ton pays correctement, quoi, mec? Je suis encore obligé d'intervenir chez toi. Tu le fais exprès. Ah, j'étais pas encore le rival de Cusco. Bah, attends, je le suis. Attendez, j'ai des problèmes au niveau de mes rivaux, là. Ah, j'ai plus qu'un seul rival. C'est génial ça. J'ai juste un rival.
De toute façon, je les ai annexés, donc ça s'est réglé. Putain, j'ai 12 000 hommes. Comment ça se fait qu'on est bloqué là? Ouais, en fait, il faut que j'attende juste un tout petit peu. Et ça va revenir. Baisse de la stabilité. Merci. Est-ce que j'ai reçu un bon? Oh putain, vous vous rendez compte qu'en une seule stat? Non, au moins il est... Il est... Il est pas aussi impressionnant que je le dirais. Je veux que mon héritier meure. Non mais sans déconner, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, les mecs? C'est connu dans l'histoire, la famille royale de Jula, c'était les plus gros boulets du monde. Bon, on va mettre ça en administratif, je suis un peu en retard là. J'ai ma famille royale, c'est les plus gros boulets du monde. Putain, mec, il est déjà technologie. Ils sont technologie 2 déjà. Ça coûte combien ça pour savoir la technologie? Oh là là, royaume tribal. Ça coûte 1500. Ok, bon bah là j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Mariage royal? Ah non, mais eux ils vont clairement pouvoir encaisser le choc. Donc c'est ces deux là que je pense que je vais devoir faire. Parce que c'est eux qui sont trop limite. 74. Ah ouais, il va falloir que c'est que je relance le mariage royal. Non, toi t'es à moins 90, ça sert à rien. Je me complique la vie pour rien avec toi. Mariage royal. Citation. Il y a que lui qui voudrait être mon copain. Sauf que comme il est allié à Cusco, il sera jamais mon copain. Eux, on se connaît pas. Et au niveau de la vassalisation, on serait où? Ouais, aussi, on pas copain, non. En fait, on est copain avec personne, ça qui est bien. On entretient le suspense du nos copains. Je peux peut-être faire des petits casus belli. Non, en plus, j'ai même pas accès à d'autres casus belli, donc ça sert à rien. Donc toi, ah là là là. Ah bah on prend que le prestige, hein. On va pas perdre la légitimité non plus, hein. On est peut-être déboulé, mais la famille royale de Yula, c'est les rois du monde. Enfin, en tout cas, c'est les rois. On a combien? On a 5000, 10000, on a 19000 hommes. Cusco, ils ont combien juste pour le déconner? Cusco, ils en ont 9000. On a plus d'hommes qu'eux. Mais vous êtes décevants, les mecs. Et pas caresse. Et pas caresse, ils ont 10 000. Ils ont 9 000 aussi. J'avoue que je suis déçu là. Les mecs, quand même, vous me décevez. Bon, même si ça m'arrange, hein, je vais pas vous le cacher. Je peux pas le valider ma quête là. J'ai pas atteint les rangs floués. Je suis à 10 000 sur 12 000 quoi. Tradition militaire, j'étais à 11. Je suis à 15. Pfff. Mais je suis en train de faire une percée en tradition militaire là. J'en perds toujours, ouais. Bon, franchement, dans ce jeu, heureusement qu'ils ont inventé la vitesse 5. Parce qu'on se ferait chier sinon, hein. Surtout quand on joue ici. Je vais juste lancer mes annexions et Cusco, je vais te défoncer ta race. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, envahir, non, protéger contre Cusco. C'est avoir 11 soldats. Oui, ça je peux le faire. Bah voilà. J'ai lancé ma quête. Franchement, je vous dirais que c'était une quête qui était très très dure à faire. Hein. Vous imaginez pas comment j'ai galéré. Hein. J'ai dû acheter un régiment. Ça fait que je suis à 20 en tradition militaire. 30! Mais je vais acheter un général tout de suite là! Bon bah c'est à prendre incorporer Quito. Allez là. Je me dis que j'ai les moyens. On est fou. Bamboléo. Bamboléa. Qui c'est qui gagne le point de stabilité? C'est Bibi. Et bim, je suis à 3. Alors les mecs, hein, fais-moi les malins. C'est qui règne sur les Andes? C'est les boulets de service. Bon ça j'en peux pas. Mais qui?
Franchement, je sais pas moi, quand t'es un roi qui a 8 points, toi on s'en fout du mariage royal maintenant, c'est fini, hein. Plus besoin. De toute façon, c'est fini, je t'annexe, t'en as plus besoin, pas grave. Tu me proposes plus, mec, tu me fais pas perdre de légitimité pour rien. Ah, on arrive en août. Qu'on y est presque. Franchement, vous avez de la chance que l'héritier est nul, hein. Par contre, je l'aimais bien, mon point de stabilité, hein. Je pense que je vais peut-être commencer à acheter des conseillers. Non, pas encore. C'est quoi ça? De l'autorité. Alors. Je peux avoir des gros bonus sur Lima, ce que ça me sert. Lima, ils ont pas envie de se rebeller, puis ils sont déjà soumis. Par contre, Lima, ils peuvent me faire chier s'ils en ont envie. Donc on va mettre toutes les troupes là-bas. Ah, j'allais zapper. 79, 5 ans. Ah! 5 ans? Mais on va à quelle vitesse là? 3. Talent diplomatique? C'est qui les plus beaux, c'est nous. C'est qui? 3 ans. Ça quand? En 75, il y a 2 ans d'avance, ok. En fait, quand j'ai fini d'annexer Quito, je vais certainement lancer ma première réforme. Donc je pense que là, franchement, j'ai le rythme qu'il faut. Franchement, rien à foutre. Ah bah on s'est quand même tapé, hein! À un moment, j'ai cru qu'on aurait de la chance, mais non, c'est quand même taper la rébellion. Non, 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 messieurs, je vous en prie. Tout est pour moi. Donc, ça finit en juillet 77 et toi, c'est avril 76. On a le temps. Donc, ils vont me. Ah! C'est qui ça? C'est Tukum. Tukum, Tukum, Tukum. Tukum toi-même. Tukum, c'est là. Ah, il y a l'autonomie locale. Donc ça m'intéresserait. On va à Tukum. Tukum, c'est un désert côtier. Faut attendre que ça monte. Et comme ça, Tukum, il ne prend pas chier non plus pendant au moins 5 ans. Allez, Tukum. Tukum toi-même. On dirait qu'il y a un. Il y a un. En fait, le fait d'invoquer en deuxième, ça les met un petit peu invulnérables pendant quelque temps. Je suis en train d'observer ça, on dirait. Je pense qu'ils ont compris la technique de Damsou. Les traîtres. Vous me le paierez. Toi, on en est où? Juillet. On a encore le temps. Ah, c'est qu'il y a un truc que je viens de penser. On va convertir des cultures. Moi, je suis quelle culture? Culture Inca. Et vous n'êtes pas Inca? Oh là là, les mecs, mais on va tout vous apprendre, quoi. Comme je vous ai dit, les points au début, on s'en fout. Ça sert à rien. Donc, autant les dépenser pour des choses qui vont être très rentables dans le futur. Avoir un pays entièrement Inca, ça peut être que du bon. On en est en décembre. Ce qui est dommage, c'est que ça ne règle pas ici automatiquement. Alors là, on va compter un peu plus précisément parce que ça devient être long. Alors février. J'attends encore 3 mois. Mars, avril, au mieux on verra. Ah, c'est quoi ça? Encore de l'autorité, il faut que j'aille à Lima. Les mecs, vous me saoulez là-haut. C'est pas que j'aime pas avoir l'autorité, mais si vous pouviez me laisser finir mon petit truc tranquillement. Parce qu'à chaque fois, vous m'interrompez dans mes comptes et du coup, je perds la tête. Avril 77, pas encore. Mais. Donc là, normalement, en juin, c'est.
C'est juin. Juin 77, c'est ça. Donc en le prochain, c'est le bon. Voilà. Et là, normalement, c'est juillet 77. Hein, Berpa Caress. L'air de rien, il coûte cher aussi. Donc je clique là. Et on regarde bien. Là, leur morale est très loin à tomber au début. Bon, après, il tombe en flèche. C'est pas grave, mais au début, il est quand même très loin à tomber. Ouais, je vais perdre 15. Ça, c'est quand? Je gagne combien par an? Un et quelques? On va s'en occuper. Cola a disparu. Ah! Cusco a même grandi. Du coup, je me dirais que Cusco, je peux peut-être plus les vassaliser. Ça, c'est gênant. Par contre, Charca, ils sont peut-être vassalisables. Est-ce que eux, ils voudraient me donner un accès militaire? Bande d'escrocs, va. Je veux juste un accès militaire, quoi. Bande. Non, je vais rester poli. Je vais pas les insulter. C'est qu'un jeu. Bande de. Bon, sachez que dans ma tête, c'est un mot vulgaire. Cusco, ils sont trois en militaire, mais comment ils font? Je peux à peine prendre ma première science. Ils ont une science d'avance. Ils ont 1000 points d'avance sur moi. 1000! Comment vous avez fait pour obtenir 1000 points d'avance sur moi? Ok, donc là, normalement, je sais que c'est trop la classe parce que j'ai atteint une super... conquérir, vous avez éclat, envahir. On va prendre insulter Cusco. Donc là, tenez, je vais vous insulter. Je vais aller améliorer les relations. Parce que je pense qu'on peut peut-être malgré tout les annexer. Oui, je peux quand même. On y va. Là, je pense que niveau armée, on va être au top du top. Donc on se met en position. Parce que là, Cusco, on va vous défoncer. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai 20 000 hommes. Je peux pas les entretenir, mais j'ai 20 000 hommes. C'est des preuves, c'est combien? 14 000 coupés en deux, toi. Je vais t'envoyer mon armada de 20 000 hommes. Tu vas rien comprendre. Ensuite, là, je peux certainement faire ça ici. Hop. C'est toujours mieux. Je peux améliorer d'autres trucs. Voilà. La culture, elle sera parfaite. Les premiers changements de culture ont eu lieu. Je pense que là, j'ai un méga, mais un méga truc. Je suis quasiment au double. Ma science militaire, je vais la prendre. Parce que Cusco est quand même niveau 3 et je vais pas non plus leur offrir la partie. Je vais lever ma maintenance. Et on va prendre comme quête. Normalement, j'ai des casus belli pour beaucoup. Ça, je vais interrompre. Ça me sert à rien. En fait, je viens de le voir. Alors, la question est, est-ce que je lance l'annexion ici et je déclare la guerre après, ou est-ce que j'attaque tout de suite? Joja, c'est beaucoup mieux déjà. Donc, je prendrai envahir le territoire que nous revendiquons. Juin 78, ouais, on va retarder de 6 mois. Ouais, en fait, c'est juste le temps de s'assurer que la maintenance soit à fond. Tranquillement, on s'assure d'avoir toute la maintenance qu'il faut, puis on attaque Cusco. Donc, évidemment, leur petite avance militaire va faire très très mal. Ça, je vous le cache pas qu'on va certainement se faire défoncer. C'est quoi votre culture, vous? Culture Chapoya? Mais vous êtes même pas de culture Inca! Mais qu'est-ce que vous foutez ici, les mecs? Vous savez pas que c'est le territoire Inca? On vous l'a pas appris, ça? Putain, les mecs, ils se battent dans des trucs alors qu'ils sont même pas... Ah! Non, c'est vrai que je viens d'y penser. J'ai ma réforme à passer avant. Heureusement que je l'ai vu à temps, ça. Donc, première chose, on va s'attaquer à cela.
Ils ont un leader qui est pas trop mal. Moboya, je peux passer par où? Ok, c'est de la merde, Moboya. Ok. On est parti, Moboya. 20 000 contre 6 000. J'ai peur des Lucas. Bon, déjà, je vais fusionner et payer une première fois. Pour attaquer ici, est-ce qu'il y a une province de préférence? Tube, Karmara, c'est Tucum. On passe par Tucum. On va passer en vitesse 4. On va se calmer un petit peu. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Attaquer! Encore un. Je suis encore à 7 régiments au-dessus, donc on va le faire. Ah, il bouge pas. Ok, c'est mort. En attendant, on va commencer la colonisation. Vous, vous partez là-bas. On va se rapprocher de cela. Ils sont pas chauds pour une petite vassalisation, eux? Puissance, impôt, si, si, vous allez voir. Je suis sûr que vous êtes chaud pour une vassalisation. Tout le monde, il est chaud pour se faire vassaliser par Damso. Je peux passer par Tucum, Coensa, Kero, Quito. Ok, vous êtes des connards. Et en plus, vous êtes... Non, par contre, vous êtes en prairie. Vous avez au moins l'avantage, c'est que vous êtes des prairies. On est parti. Tac, tac, allez, 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 allez. Allez, on y croit. C'est bon, bah c'est bon, c'est passé. Et eux, ils vont réussir à gérer. Si, c'est bon. Sur la fin, ils ont gagné. Ok, conclure une alliance avec eux, je peux le faire. Ils ont pas envie. Mariage royal, ils auraient envie. Ouais. On va demander un accès militaire. Ça vous dit un mariage royal, les mecs? Si, si, je suis sûr qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Bon bah c'est pas grave, en attendant je vais ramener mon armée près de Cusco. Donc déjà on perd... Non, j'ai rien dit, je perds beaucoup de sous toujours. Là je l'ai pas fait encore, tac. Et tac, ouais, bon, c'était pas cadeau comme la dernière fois. On est qu'à moins 1, ouais. Et bah du coup ça m'en fait encore 2 à financer. Avec le fait d'avoir la bonne culture acceptée, ça fera donc le plus 2, enfin le moins 2 qui va disparaître. Alors je peux perdre de l'autorité ou je peux gagner, mais il faut que j'aille où ça? À Coca, bon bah les mecs, vous repartez à Coca. Merde, attendez, 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 changement de direction, je sais plus où il faut que j'aille. Ils sont 4. Vous, vous vous battez à Coca. Ils ont pas de chef, on a un chef et on est meilleur qu'eux, on peut le faire. Vous, vous allez à Chibilote. Je peux faire passer ça. Vous, vous passez là-bas. Mon armée, elle est morte, quoi. Bon bah de toute façon c'est trop tard là-bas, donc on va revenir ici. Bien nickel les mecs, hein, vous avez gagné ma province, enfin vous avez gagné ma colonie. Si vous pouviez la protéger aussi, ça m'arrangerait, hein. Entre nous. Ok. Je vais en faire des alliés de Musica pour l'instant. Donc ici, je vais lever cela. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi, mais les rebelles, à chaque fois qu'on les invoque, ils ont un temps d'invulnérabilité assez impressionnant. Offrir l'alliance. Et du coup, d'ailleurs, on offrira l'accès militaire. Les mecs, alors là, je sais pas ce qui vous arrive, mais vous avez décidé de me lancer le rush d'autorité.
Moi j'aime bien. Je peux vous le dire que je kiffe. Chaque début de bataille c'est chaud. Niveau maintenance, enfin niveau limite militaire, j'en suis à combien? 11. Ouais. Faites des changements, ça me gêne pas. Donc j'ai 10 000 hommes pour attaquer Cusco, plus mon allié s'il veut venir. Est-ce que mon allié veut venir? Donc comme je l'ai dit, moi je prends celui-là. Est-ce que mon allié viendrait pour combattre Cusco? Un allié recruté sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Guerre lointaine. Connard! Oh, j'ai que ça à foutre, moi? Eh, de base, ça, je le fais pour te faire plaisir que qu'on s'est allié, hein. Surtout que t'aurais pu venir toi-même, hein. Donc. On perd beaucoup de sous. La maintenance de l'armée, je vais la réduire. Parce que là, il faut que je me concentre. Il faut que je trouve qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai fait passer une réforme, j'ai commencé mes colonies. Dans mon timing, en 40 ans, je suis très bon là. Mais Cusco, ils ont quand même 11 000 hommes maintenant. Par contre, ils ont que 5 000 de réserve. Bon, j'ai pas beaucoup. En fait, on est équivalent. J'ai peut-être un renforcement plus rapide qu'eux. Surtout qu'entre temps, ils ont peut-être eu leur technologie militaire. Non, ils n'ont pas eu. Bon, au moins, ils ont la bonne culture Inca. Ah, par contre, ils ont des révoltes. Ça, c'est bon signe qu'ils aient des révoltes. 13 000 hommes. Ah, 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 ah. S'ils ont fait les rebelles, ils ont quand même pas fait un assaut. Si, si, les rebelles ont fait un assaut, d'accord. Donc Cusco vient de gérer une rébellion. Moi tout ça, ça va être fini dès que j'ai financé, enfin dès que j'ai fini de financer tout ce que j'avais à financer. Oh là là là, ça c'est quoi ça? Chimbant. Ils sont combien ici déjà les mecs? Ils sont 1500, donc au début on va laisser 2000 hommes. Et on est parti pour Chimbont. C'est où Chimbont? Chimbont, c'est par là. Cap sur Chimbont. Bien sûr, la maintenance de l'armée, on va la monter à fond. Je trouve que mes dépenses sont plutôt extrêmement élevées. Déjà le conseiller, il va virer. Mes dépenses sont déjà beaucoup moins élevées. Voilà. C'est des rebelles de nobles. Ah, franchement, n'importe quel combat que je fais, j'ai toujours un malus dès le début. Pendant lesquels il se passe rien. Cusco, est-ce qu'ils ont toujours... Ils ont 12 000 hommes. Par contre, ils n'ont plus de réserves. Moi, j'ai plus d'hommes qu'eux et j'ai des réserves. Donc, ça peut valoir le coup. Surtout que si je me place là, je suis en montagne. Du coup, j'ai la position pour moi. Et avec la position, bah, Cusco, ils vont devoir défendre. Le problème, c'est que derrière, ils ont Charca. Charca, ils peuvent leur fournir combien d'hommes? 9000, mais est-ce que Charka peut obtenir le passage sur eux? Non, même sans ça, ils peuvent passer quand même. Non, pour l'instant, on va rester calme. On va se planquer. Déjà, oui, c'est bizarre. Vassalisation, je suis à combien? Impôt de base. Comment ça se fait que ça passe pas à mon impôt de base? Et les mecs? Je suis les Incas, vous comprenez? C'est quoi les Incas, vous? Putain, faut tout vous apprendre ou quoi? Par contre, j'ai pas accès à ça encore, non. Ok, les cultures sont... les cultures qui passent. Ça, tout de suite, ça va calmer énormément les rébellions.
C'est pas caresse qu'il faudrait. Que j'aime bien, c'est que pas caresse, ils ont envie de légitimer des régions chez moi. Alors qu'entre nous, il y a tout Cusco quand même. Bon, l'objectif du Nord est accompli. Quoique, au pire, ils sont alliés à qui d'ailleurs? Ah, juste à moi, ouais. Bon, mais ça va en défense, c'est déjà ça. Donc, on va essayer de trouver l'opportunité d'attaquer Cusco. Parce que ça leur fait quand même 20 000 hommes avec Charka. Eux, s'ils avaient bien voulu être mes alliés, ça pourrait passer. Donc, on se dit à demain. Ciao à tous!